Hello World, c'est Golden et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy. Très content de vous retrouver encore une nouvelle fois pour un nouvel épisode. Alors du coup, j'ai été me renseigner parce que je ne me souvenais plus où était la dernière étoile dans la galaxie des fantômes. Et bah en fait, je m'en rappelais, mais je ne me souvenais plus de comment on y allait en fait. Donc maintenant je sais où est-ce qu'elle est. Donc on va aller la faire. S'il n'y a pas de comète farceuse qui arrive entre-temps, on fera directement Bowser. Et bah sinon on fera directement Bowser et on passera du coup au dôme suivant. Mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui va nous empêcher avant. Du genre une galaxie, une comète farceuse. Alors, il faut aller dans ce truc-là. Et en fait, dans un rocher, il y a un portail étoile qui est juste caché dans un rocher. Hop. Voilà, donc là c'est juste ici normalement, si je me rappelle bien. C'est le truc qui brille. Hop. Voilà. Donc c'est une galaxie qui est un petit peu plus compliquée, enfin pas un peu plus compliquée, mais disons qu'elle est un peu short, on va dire, parce qu'en fait il faut se déplacer en même temps que le truc. Hop, là faut que je fasse attention. Ok, là il y a la clé. Comment on y va? Ok, il faut juste aller comme ça, très bien. Alors la porte s'ouvre, là il y a le bout qui me suit toujours, j'essaie de pas tomber, ça serait un peu bête. Hop. Alors, mince. Hop. Ok. Ah là là, ça va à gauche. Ok, faut aller là-bas. Oula, putain, faut que je fasse attention. Ok, faut que j'aille à droite. Toi, le bout, tu bouges pas. Ah, j'entends l'étoile qui commence à être là. Ok. Alors, faut que je fasse gaffe au bout parce que s'il me pousse dans le vide, j'aurai l'air un petit peu con-con. Ok, ça passe par là après. On continue de regarder le bout, bien sûr, bien évidemment, dès qu'on peut. Ok. Là, il n'y a rien. Ah, il y a un deuxième bout. Super. Arrêtez de bouger. Restez là. Ok. Ok. Ok, c'est normalement, ça va être bon. Je peux passer là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, si je me souviens bien, je crois que c'est un truc. En fait, faut toujours constamment monter. Non. Ok. Ah, si. Ouais, c'est bien ça. Donc là, il va falloir que je continue, en fait, à bouger, à monter en fur et à mesure. Ce qui va être un peu short, on va dire. Ouais, super, une pièce. Trop bien. Ok, bon alors là j'attends que le décor forcément s'affiche en même temps. Là va certainement falloir que je saute là, voilà. On va prendre la clé. Je sais pas à quoi elle sert. Ah, elle sert à okay, juste ouvrir. On va récupérer la vie quand même. C'est quand même ça de prix. Ok. 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 Et techniquement on devrait être quelque part une par là. Oula, vite, 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 elle est où? Ok, c'est bon, allez. Ok. Ouf. Bon, ça nous fait une étoile en plus. Ça, c'est cool. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir une comète farceuse ou est-ce qu'on va devoir se faire Bowser tout de suite? J'espère qu'on va pouvoir se faire Bowser tout de suite. Ça nous fait 42 super étoiles. Voulez-vous sauvegarder? Bah oui, on va sauvegarder, donc à faire, hein. Parce qu'au cas où l'émulateur crash, ça serait un petit peu dommage. Alors, est-ce que j'ai une comète farceuse? Oui, j'ai une comète farceuse ici, comète blanche en chemin. Je vais regarder s'il n'y en a pas une autre avant. On va parler au petit bonhomme. Oui, tu sais de voir la carte, voilà, voilà. Très bien, donc il n'y a qu'une comète blanche ici. Donc on va aller se la faire, on va se faire la comète blanche, comme ça la galaxie des fantômes, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Elle est surtout faite. Comète blanche en chemin. Alors la comète blanche, c'est le temps ou c'est le... Je sais plus. Ah non, pas de seconde chance. Pas de seconde chance. Ah ouais, d'accord, le boss des fantômes. Bah de toute façon, je m'étais pas fait toucher la première fois. Donc ça devrait le faire. Ok. Bon. Alors faut juste pas que je me fasse toucher. Ouais, bon, ça va être un petit peu... Je sais pas pourquoi, mais je sens que là, je vais faire attention et du coup, je vais me faire toucher. C'est un truc comme ça, je le sens venir gros comme une maison. Ok, bon. Alors, toi qu'on a vu déjà dans l'épisode précédent, il va falloir que je te tue sans me prendre un coup. Donc là, faut vraiment que je fasse attention. Ok, on va commencer à faire demi-tour. Ok. Hop, vous venez. Ok, celui-là, je l'ai touché. Oh non! Il se déplace plus vite. Ok, il nous rebalance des cailloux. J'envoie un noir. Ok, c'est bon, touché. Ok, maintenant il faut le toucher une dernière fois. Ok, c'est bon.
Bon, il me reste plus que 3 fois maintenant. En plus, il va avoir ses bras, donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ok, bon. Allez, maintenant c'est parti. C'est là que le vrai combat commence. Allez. Ok, donc là il prépare son attaque. Ok, il y a qu'un seul noir. Faut juste pas que je me fasse toucher. Ça devrait le faire. Bon, je vais niquer une main. Un petit peu. Je sais pas si ça va m'être très utile. Ok, il y a deux carrés noirs. Enfin, deux blocs noirs. Je vais encore niquer une main. Ok, il a tué le fantôme. Oula. Ah, mon dieu. Wow. Du calme. du calme. Tout doux. Ouh, sale bête. Bon. C'est pas tout ça, mais il faut que je touche encore deux fois. Enfin, trois fois même. Ah mince. Bon, je lui ai détruit une main. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Surtout que je vais détruire celle de droite, donc ce qui est pas trop mal. Ça va pouvoir m'aider à toucher l'ennemi. Ok, je vais détruire sa main. Oula, j'ai eu peur de me faire toucher par son attaque. Oui, ne refais pas spawner tes mains. Ah mince. Dommage. Ok, touché une fois. Touché deux fois. Attention, esquive. Ça marche. Ok. Il refait une dernière attaque. Allez, on va essayer cette fois-ci de pas se faire toucher. Ça serait couillon de mourir juste à la fin. Là, il envoie ses carrés noirs. Ok. Ok, touché. Allez, vite. Maintenant, faut qu'il me faut un dernier. Vite, viens là, toi. C'est bon. Les cris qu'il fait, mon dieu, c'est quoi cette horreur? Ok! Ah, une petite étoile jaune, cool! Bon, allez, c'est parti pour notre 43ème super étoile. Ah, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Bon, j'ai un petit peu galéré quand même au premier coup, mais bon, après c'est passé. Faut juste prendre un petit peu son temps pour être sûr de pas se faire toucher, et après ça passe. Yeah! Cool! Voulez-vous sauvegarder? Oui, je vais sauvegarder. Sauvegarde un coup, je sais pas, bouton power new, bouton reset. Très bien, on va regarder si le petit bonhomme il en a une autre à nous faire faire. Je pense que non, voilà, bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, on va enfin pouvoir se faire Bowser. Qui est du coup l'usine de vaisseau. Très bien. Allez, c'est parti. On y va. On va l'affronter Bowser pour pouvoir débloquer le prochain dôme. Avec des nouvelles galaxies. Seul contre la flotte de Bowser. Usine de vaisseau. Très bien. Usine de vaisseau, seul contre la flotte de Bowser. Ok. Je me souviens plus. Est-ce que la dernière fois dans l'épisode, on avait. Il y avait Luigi qui nous avait demandé de l'aider. Je me souviens plus. Je crois qu'il nous avait demandé de l'aider, mais du coup, on n'a même pas été l'aider. Aïe. Hop, boost. Hop. Arrête de reculer, toi. Boost. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Il n'y a pas grand-chose. Là, il y a des fragments d'étoiles. Alors, je vous rappelle qu'il faut récupérer plein de fragments d'étoiles parce que ça nous permet de débloquer des galaxies. Donc, forcément, si on veut faire le jeu à 100%, vaut mieux qu'on ait toutes les galaxies. Ce qui est quand même un petit peu plus logique et pratique. Alors, où est-ce qu'il faut que je vise? Ok, il faut que je vise là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où je pourrais viser? Peut-être éviter. Là je vois qu'il y a un truc, donc il doit certainement avoir un boss. Bon, on va pas faire trop le con. On va être sûr de faire ça. Ok. Ok, et je vois qu'il y a qu'un mec. Et il y a aussi deux trucs carrément. Ah ouais, carrément, ils sont. Ils sont parés hein. Ok. Ok, là il y a des billballs carrément. Ok. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait un. qu'il y avait des wiggles ici. Allez, oust, mourrez-vous. Ok. Ah, il y a Captain Tone aussi. Tiens, il y a beaucoup de monde là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Mario, te voilà enfin. Je suis excité que mon petit
Je suis si excité que mon petit cœur est sur le point d'exploser. D'accord. Il y a des billboles qui passent juste à côté. Là, il y a quoi? Il y a encore un bloc. Je pense que c'est pas des fragments, ouais, voilà. On va s'acheter un truc, je pense que ça va pouvoir nous être utile. Hello. Ding ding, bienvenue à la boutique Luma. 30 étoiles, ouais, bon, vas-y, pour 30 étoiles, ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu veux? Une énergie. Bien, bien, et n'en oublie pas un seul. Ok, ça y est, je suis repu. Alors, c'est parti, transformation. À moi. Ok. Voilà, faut juste que je fasse attention de ne pas tomber, ça serait un peu dommage. Aïe. Forcément, il fallait que j'atterrisse sur le seul bout du truc. Non mais ça me lag. Voilà. Quand même. Au bout d'un moment, non mais oh. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Oula, ça va quand même assez vite, hein. Là, faut faire attention. Ok. Heureusement que je dis qu'il faut faire attention, forcément. Hop, dégagez-vous. Je m'occupe du Kamex, sinon voilà, il va me faire suer. Voilà. Alors. Ok, il y a Buzzer Junior. Tu es vraiment curieuse, puisque c'est comme ça, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Tu veux la grande étoile? Alors il faudra mieux que tu me la prennes de force. Ok. Très bien, c'est parti. Allez, du coup, faut qu'on détruise le vaisseau. Excellent le Kamek qui se fait défoncer par le truc. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il tourne. Ok, il va nous envoyer un impact de je sais pas quoi. De boule, très bien. Bon, c'est passé à côté. Ok, touché. Je sais pas combien de fois il faut le toucher en tout. Wow, il y a du monde, il y a du people. Non, 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 non. Ok, j'ai failli tomber. J'ai eu peur. Wow. Je suis chaud. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Ok, bon, bah, on a quand même aussi à le tuer. La victoire la plus ridicule de tous les temps. Quoi. Avec Mario qui se fait cramer le cul en pause, magnifique pause. Aïe, 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 aïe. Et on récupère encore une grande étoile qui va pouvoir nous permettre d'alimenter encore le cœur de l'observatoire et qui va du coup nous permettre de voyager plus loin ainsi que de débloquer un nouveau dôme et donc de nouvelles galaxies. Donc ça, c'est cool. Avec la petite animation aussi, j'adore cette animation. On voit l'observatoire à chaque fois qu'on alimente et tout. C'est assez classe. Alors, quelle couleur va être le cœur du coup? Si on est passé de vert, allez, moi je vise sur un petit bleu turquoise. On va bien voir. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ouais, un bleu. Bref, bleu turquoise. Ouais, plus bleu clair que turquoise, mais bon. Ah, donc du coup, un nouveau dôme qui va apparaître. Et qui va être la chambre. Et du coup, on n'a jamais parlé au Luma rouge qui est sur le dôme de la chambre. Il va falloir qu'on ait dû parler un peu pour voir ce qu'il a à nous dire. Vous avez trouvé une étoile, usine de vaisseau, seule contre la flotte de Bowser. Nouveau record. Vous avez ramassé autant d'étoiles. Une nouvelle galaxie a été découverte. Bah, elles sont toutes découvertes. Ok, super, ça va aller vite. Ah, Harmonie nous parlait. Grâce à toi et tes amis, tous les dômes de l'étage inférieur sont accessibles. De plus, si la salle des machines de l'étage supérieur est réactivée, l'observatoire de la comète pourra de nouveau voyager entre les galaxies comme un astronef. Et donc, on pourra aller défoncer Bowser. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où t'attend celle qui t'est chère. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette phrase. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Sauvegarde à court, ne vous touchez pas au bouton power, ni au bouton reset. Très bien, pas de soucis, madame. Ok, ah, il y a... Tiens, d'ailleurs, on va voir. Non, ok. Donc, Luigi n'avait pas de courrier à nous transmettre. Alors, est-ce que c'est un courrier de Luigi? J'ai reçu une note de... Ah bah tiens, oh, j'ai reçu une note de... J'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé. Regarde la photo et viens m'aider. D'accord, donc c'est le royaume des abeilles. Je me demande... Ok, pour trouver ça la photo... Ok, c'est bon. Allez, on va aller sauver Luigi avant d'aller voir le nouveau dôme. On va aller faire ça vite fait, parce que c'est bon, ça demande pas beaucoup de temps. Hop. Alors, le royaume des abeilles, il est ici.
Et on va aller, mince, on va aller sauver Luigi si le détecteur de la Wiimote veut bien. Alors, c'est le premier, envoie-toi Mario Abeille. Très bien. Ok, bon. Alors. Boum. Alors, Luigi. Mario, il est pas... Mario. Luigi, il est pas là. Ah, si, il est là. Dégage toi. Comment je le fais descendre? Ah, comme ça. Ok. Alors, Luigi. Oui, oui, oui. Ah, Mario. La tête de défoncé qu'il a. Oh my god. Le gros insecte est parti. Alors, prenons vite la super étoile et rentrons. Ok, bon, bah du coup, j'ai dû faire la galaxie normale. Et puis, au tout dernier moment, j'ai dû redescendre de l'arbre. Parce que normalement, c'est le Captain Toad qui nous donnait la super étoile. Mais du coup, il fallait que je redescende du gros arbre. Que je fasse tomber Luigi et que je récupère la super étoile. Donc, bon. C'est pas forcément très intéressant. It's me, Luigi. Ouais, Luigi. Exactement. Ok, bon. Badadadam. Yeah. Ça nous fait notre 45ème étoile. Incroyable. Voulez-vous sauvegarder? Bah oui, tant qu'à faire, on va sauvegarder. Allez, du coup, je vais regarder qu'est-ce qu'il nous propose, lui, le petit bonhomme. Oui, ça te va la carte? Voilà, voilà. Ok. Bon. Alors, bah, on est bien avancé dans l'épisode, mais je pense qu'on peut quand même se faire une petite étoile du côté de la chambre. Et puis, en même temps, on va aller profiter pour, aller parler au Luma Rouge. Voir ce qu'il a à nous dire. Parce que je sais que ça stresse certains d'entre vous que j'aille pas lui parler, même si je sais à peu près ce qu'il nous dit, il me semble. Hop. Donc, on va aller quand même lui parler pour voir ce qu'il a à nous raconter. Tac. Alors, salut toi. Oula, caméra qui bug. Je ne te dirai sûrement pas mon secret. Voilà, mon secret avec secret en marqué en rouge. Ce qui signifie bien qu'il a quelque chose à nous dire. Position ennemie repérée, et cette fois nous avons observé une énergie incommensurable. Je me demande ce qu'il trafique. Ouais, donc du coup on a l'animation comme quoi on peut aller battre le boss, mais forcément on va pas aller le battre tout de suite vu qu'on a encore plein de petites planètes à découvrir. Alors on va faire découvrir celle-ci d'abord. Qu'est-ce que c'est? Le jardin venteux. Très bien. Et bien, on va laisser faire le jardin venteux en dernière petite super étoile de cette vidéo. Au pire, vous aurez un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Des lapins dans le vent. Oulala. Oulalalala. Ta 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 ta. Oui, un petit lapinou. Un petit lapinou. Ah oui, je me souviens, c'est plein de souris. Ah, la musique, tan. Ah, elle est excellente cette musique, elle est excellente. Mon dieu, que j'adore cette musique. Ça, c'est une des plus belles musiques de Mario Galaxy, je pense. Enfin, j'ai dit de toute façon qu'elles sont toujours les plus belles, mais franchement, Mario Galaxy a tellement une musique, mais. Enfin, une bande-son, mais. Pff, incroyable, j'ai jamais vu un jeu avec une aussi belle bande-son, quoi. Non, du coup je prends un petit peu plus mon temps parce que bon bah voilà. De toute façon vu que c'est la dernière étoile de la vidéo, j'en profite un petit peu quand même. Ok. Une de fête. Une deuxième de fête. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Je l'entends qu'il y a un petit peu de bazar en dessous là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon il y a un tuyau mais ça m'intéresse pas parce que je sais très bien où est l'étoile. Oh, plein de fragments d'étoiles ici, c'est cool. Ok, alors, okay. Il y a une vie par là, là il y a des trucs, bon je zappe un peu les planètes parce que bon on s'en fiche un peu, je sais parfaitement où est l'étoile. Ok, alors là on peut pas passer, faut aller où? Je crois que c'est ici, faut... Non, bah mince. Ah, faut dès que je suis une plante. Ok, peut-être celle-là. Voilà, c'était celle qu'il fallait tuer. Allez, Mario. Yahoo!
Ok. Et toi. Ouais, c'est vrai, faut l'écraser. Je me disais, faut voir comment déjà. Ah, mais c'est juste pour un one-up. Ah oui, mais je m'en fiche un petit peu du one-up en fait. J'ai envie de vous dire. Ah, c'est là qu'il faut aller. Très bien. Bon, lui, il va pas me choper. Et hop, 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 hop. Alors, encore une nouvelle petite planète en forme d'haricot. Avec une grosse machine cette fois-ci. Hop. Ah, le portail. Cool. Ok, bon, alors normalement il va y avoir un lapin qu'on va devoir essayer de choper dans un labyrinthe. Ce qui va être, je vous raconte pas la merdouille. Petite musique, il y a même pas de musique en fait. Tu crois pouvoir m'attraper? Ta 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 ta. Ah, il est horrible cette musique. Ok, bon. Allez, maintenant faut qu'on essaie de choper ce fichu lapin. Ah cool, je l'ai eu. Je l'ai eu dans le tunnel. Ok, tu m'as eu, tiens, je te donne ça. Oh, c'est bien, je vais pas aller loin pour les récupérer. Bon, la prochaine fois ça ne sera pas aussi facile. Bon, bah, je suis content, j'ai moins galéré que ce que je pensais pour cette étoile là. Donc c'est cool. Ta 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 ta. Ok, une étoile de plus. Cool. Alors, du coup, on va revenir. Ce qui nous fait du coup notre 46e étoile. 47e 46e. J'avais raison. Ok, nouveau record 4 pièces. Ouais, vraiment, les pièces, ça sert vraiment à rien dans le jeu. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Bah écoutez, du coup, c'était notre dernière étoile pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que cet épisode aussi vous aura plu dans l'ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et à me follow sur Twitter. Et d'ici là, on se dit rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, tchuss. Je peux pas aller dormir? Non. Je peux aller dans le lit. Va aller dans le lit. Ah bah si, je peux. Lol. Ah oui, sinon je croyais qu'on pouvait parler à l'oreiller. Comment on sent, on peut parler à l'oreiller? C'est quoi ce bordel? Bon allez, tchuss.